Bien aimé, avoir une très bonne relation avec Dieu ne nous épargne pas de problèmes. Marcher correctement avec Dieu ne nous épargne pas de situations confuses. Être ami de Dieu ne nous met pas parfois dans des problèmes, dans des situations difficiles. Bien aimé, ça arrive qu'on soit ami de Dieu, qu'on soit quelqu'un qui marche avec Dieu, qu'on soit quelqu'un qui craint Dieu, qui le sert de tout son cœur, et qu'il arrive dans ta vie des situations qui peuvent amener les gens à se moquer de toi. C'est lui qui a la foi. Même quand une situation est contrainte, il ne déclare pas encore la fin. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les circonstances attestent la fin d'une situation, bien aimé, il faut garder la situation pendante. Tu dois dire, Dieu a parlé et moi je n'accepte pas que c'est la fin. Les hommes peuvent dire le contraire, le médecin peut dire le contraire, la réalité peut être contraire, mais bien aimé, au-delà de tout ça, il y a une vérité. La maladie de Lazare ne l'amènera pas à la mort. Mes yeux voient la mort, mais ton esprit ne doit pas voir la mort. Les yeux physiques peuvent voir autre chose, mais ton esprit qui est connecté à Dieu, ton esprit qui est connecté à la révélation de Dieu, doit rester en éveil. Là où les hommes disent c'est fini, dans mon esprit je vois que ce n'est pas encore fini. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Seigneur Jésus-Christ, Maître de l'univers visible et invisible, nous te prions de faire ton entrée en ces lieux. Une entrée glorieuse, une entrée puissante, une entrée de signes, de prodiges et de miracles. Viens consommer notre louange et notre adoration. Nous te laissons la place pendant ces instants. Quand tu es là, tout genou fléchit. Quand tu es là, toute langue confesse que c'est seulement Jésus qui est Dieu. Viens régner maintenant. Pendant ce temps, viens régner. Pendant ce temps, viens imposer ton autorité. Pendant ce temps, viens imposer ton pouvoir. Pendant ce temps, viens imposer ta puissance. Nous t'accueillons au milieu de nous. Nous t'accueillons au milieu de nous ce matin pour nous nourrir et nous faire du bien. Parle, Loba, agis, Sala.
afin que chacun de nous ait un témoignage. Je recommande ces instants ta grâce. Merci pour ta domination qui est là. Merci pour ton autorité qui est là. Merci pour ta puissance qui est là. Merci pour ta seigneurie qui est là. Ta croix de victoire est élevée en ces lieux. Comme le cette croix rappelle au diable sa défaite. Cette croix rappelle au diable qu'il a échoué en tout et pour tout. Ta croix, Jésus, en ces lieux témoigne ta victoire sur le monde visible et invisible. Que la liberté de l'action du Saint-Esprit soit manifeste. Que nos pensées, nos esprits soient captifs maintenant à l'obéissance de ta domination. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Installe ta paix dans nos cœurs. La Bible dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Dépose dans le cœur de mon frère et de ma sœur maintenant ta paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Nous disons amen avec acclamation. Gloire au Seigneur. Rapidement et pendant quelques minutes, nous allons lire un texte. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, rapidement. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Que chacun de nous ouvre sa Bible dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons faire la lecture. Tout ça est tangi. À partir du premier verset. Et nous allons descendre. Vous y êtes? Ok, nous allons faire la lecture. On se tient debout, chacun avec sa Bible. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Et cette parole se transforme en vie en toi. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Marie Azala qui moi sur Oyo a parcouru qui colo malasi puis a pangusé qui ma colo na suki naie. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Azala qui est de connaître Lazare n'azala qui malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes. Est malade. Mande kwa Lazare ya basi batindi maloba et pa yena Yesu kolo ye olinga kaza maladi. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Tango Yesu yoka kisangwana aloba ki maladi oye koboma yete. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Kasizali pona kembo na Nzambe. Afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle. Po ekozala nzela po ete mwana na Nzambe azwa kembo. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour?
Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne broche point. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un pendant la nuit, il broche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Si ma courba bongo aloba ki na bango lizusu, woninga na biso Lazare alali pongi kasi na kokende kola mosayi. Le disciple lui dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Ba yoko bazoni seli nkolo soki azali kola la pongi akobika. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crirent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, enfin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, allons aussi enfin de mourir avec lui. Bongo Thomas o babe nga kalipasa alobaki na baye kolmosusu bisope toko kende po tokufa elongo na ye. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Tangoye so komaki akutaki ete bana bakondaki Lazare na lelita yango kokisaki mikolomi nei. Et comme Bethany était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie s'était assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, tu l'accorderas. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Nous entendons pour la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, ici c'est une histoire que nous connaissons, que j'aimerais commenter pendant quelques 5-10 minutes et nous allons prier. Et ça, c'est le mot que tu as dit, na kolba moi, minute et mita no zomi, si ma toko bonde la. Ici, les questions de la résurrection de Lazare. Et avant de parler de la résurrection, il y a eu question de la maladie de Lazare. Et après sa maladie, il y a eu sa mort. Et après sa mort, il y a eu sa résurrection. Et bien aimé, il y a quelques points nous devons retenir en ce qui concerne Lazare, sa maladie, sa mort et sa résurrection. Et bien aimé, la première information que je suis en train de lire, la Bible est en train de dire que Lazare était celui que Jésus aimait. Très souvent, nous avons un regard dédaigne quand quelqu'un, un problème lui arrive. Il y a des gens qui se soustraient et qui commencent à philosopher et pourquoi il est tombé malade, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé et cette maladie veut dire quoi. J'aimerais vous informer, bien aimé, Jésus, il aimait Lazare
malgré l'amour qu'il avait vis-à-vis de Lazare, Lazare est tombé malade. Et quand un problème t'arrive, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Quand un problème arrive dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, n'est pas un signe que Dieu n'est pas avec toi. Et la Bible va loin pour appeler Lazare l'ami de Jésus. Un seul ami que la Bible a décrit clairement pour Jésus, c'est Lazare. Un seul que Dieu a appelé son ami, c'était Abraham. Bien-aimé, c'est pour te démontrer les degrés d'affinité. Les degrés d'affinité de Jésus avec Lazare. Il est en train de témoigner les degrés d'intimité qui le liaient. Cela atteste la bonne relation que Lazare avait avec Jésus. Bien aimé, avoir une très bonne relation avec Dieu ne nous épargne pas de problèmes. Marcher correctement avec Dieu ne nous épargne pas de situations confuses. Être ami de Dieu ne nous met pas parfois dans des problèmes, dans des situations difficiles. Bien aimé, ça arrive qu'on soit ami de Dieu, qu'on soit quelqu'un qui marche avec Dieu, qu'on soit quelqu'un qui craint Dieu, qui le sert de tout son cœur, et qu'il arrive dans ta vie des situations qui peuvent amener les gens à se moquer de toi. Et les gens se sont rendus compte, mais c'est dans cette maison que Jésus venait d'habiter. Et on va même très loin pour dire, il n'était même pas question de Lazare lui-même, mais il y avait même ses deux sœurs, Marthe et Marie, qui étaient très attachées à Jésus. Et pour montrer comment est-ce que Jésus était pratiquement lié à cette famille. Et on va même très loin pour démontrer un acte exceptionnel écrit dans la Bible que cette femme Marie de Magdala a fait. C'est l'unique femme qui a pris des parfums qui coûtaient excessivement cher. Il les a déversés dans les pieds de Jésus. Il a utilisé ses cheveux de valeur pour essuyer les pieds de Jésus. Aucune femme avant elle ni après elle à y arriver à le faire. Parce que la colimbola était ma mère Wana Maria Wana à qui moi sur Oyo à ce que ma laisse à pas soli à tirer ce qui n'a pas comme on a Yesu à pas comme on a Yesu au moins mon côté c'est quelque chose là. Est-ce que dans cette famille où Jésus était tellement lié à et Jésus avait des affinités pareilles, est-ce qu'un problème pouvait entrer dans cette maison? Na libota Oyesu à kangama kina bango linga ki bango est-ce que le kamabongo koka ki kokoma. Mais curieusement, un problème est arrivé. Certains commentateurs diront même que c'est même là où Jésus venait se reposer qu'il mangeait de temps à temps. Et regardez le lieu où Jésus a adopté pour en faire son refuge sur la terre. Par moment. Et qu'est-ce que Jésus pouvait avoir comme bonne intention pour cette famille? N'est-ce pas la vie, la sécurité et toutes les bonnes choses du monde? Les personnes ne pouvaient imaginer qu'une situation de maladie pouvait arriver. Mais curieusement, le Seigneur était absent. La Bible dit, son ami Lazare est tombé malade. Et sa famille a fait l'effort de faire parvenir le message au maître. Ils ont dit à Jésus, ton ami Lazare, il est malade. C'est là où Jésus venait régulièrement.
Mais la Bible dit, Jésus va encore prendre 2 jours. Il a pris 2 jours pour aggraver la situation. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de ces situations que Dieu n'intervient pas vite. Simplement pour augmenter la gloire qui va lui revenir. Il y a des situations, quand vous intervenez, vous appelez Dieu, Dieu a tendance à retarder ses pas. Et Dieu le fait à dessein. Dieu ne veut pas souvent qu'il soit comparé à un comprimé, à un médicament qui peut jouer le même rôle. Et quand il est appelé pour venir guérir quelqu'un qui souffre du paludisme, par exemple, et bien aimé, la quinine peut se dire aussi qu'elle a été démontrée mondialement qu'elle est efficace pour guérir aussi le paludisme. Et bien aimé, en face de celui qui a été guéri par Jésus de la malaria et de celui qui a été guéri par la quinine, bien aimé, il n'y a pas d'étonnement. On trouve ça normal. C'est tout à fait naturel. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines situations qui t'arrivent et la manière dont la situation est en train de prendre l'ampleur, tu dois retenir que le Seigneur est derrière. Il fait traîner ses pas parce qu'il veut tirer sa gloire en toi. Il refuse de venir vite. Mais il a dit quelque chose. Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, doit être glorifié par la maladie. Bien-aimé, quand Dieu a besoin de se glorifier, il cherche des problèmes. Et ces problèmes doivent nous arriver, nous, ses habitants sur la terre. Ces problèmes doivent nous arriver à nous, ses enfants. Chaque fois qu'un problème arrive, bien aimé, c'est une ligne de communication qui est en train d'appeler, amen, à la manifestation de la gloire du Fils de l'homme. Dieu se réjouit de la gloire. Il siège dans sa gloire. Et bien aimé, chaque fois Dieu a besoin de recevoir de ce monde, de nous, ses enfants, la gloire. Mais vous devez savoir, Dieu trouve sa gloire, c'est quand les problèmes nous arrivent. Mais Dieu a dit quelque chose. Et nous appelons une prophétie. Le Seigneur a prophétisé. Il a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Ah, je pense que quand la nouvelle est arrivée au prédécesseur, elle pouvait se calmer momentanément. Elles se sont dit, heureusement, c'est une maladie qui va passer. Le Seigneur a dit qu'il ne mourra pas. Mais curieusement, il est mort. Ça arrive qu'il y ait une contradiction sur ce que le Seigneur a dit et sur la réalité qui arrive. C'est là où nous parlons de la confrontation de la vérité et de la réalité. Quand Dieu te déclare riche, mais la réalité peut être contraire. Tu peux vivre le contraire de ce que tu as entendu. Le Seigneur a dit, cette maladie ne l'amènera pas à la, malgré que le Seigneur a donné une prophétie. Mais la réalité a été contraire. La Bible dit, Lazare est mort. Lazare est mort.
Lazalo a couffé. Mais le Seigneur a dit qu'il ne mourra pas. Bien aimé, quand cette réalité arrive, et tu te souviens de la parole de Dieu, et tu es appelé maintenant à faire un choix, accepter la réalité ou accepter la vérité. C'est ainsi que la paix, chacun de nous, à la façon d'interpréter le verset 33, c'est témoigner qu'on n'a plus de l'espérance, qu'on n'a plus de l'espoir. Pour cet homme, nous ne pouvons plus nous attendre à quelque chose. Mais celui qui a la foi, même quand une situation est contrainte, il ne déclare pas encore la fin. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les circonstances attestent la fin d'une situation, bien aimé, il faut garder la situation pendant. Tu dois dire Dieu a parlé. Et moi, je n'accepte pas que c'est la fin. Les hommes peuvent dire le contraire. Le médecin peut dire le contraire. La réalité peut être contraire. Mais bien aimé, au-delà de tout ça, il y a une vérité. La maladie de Lazare ne l'amènera pas à la mort. Mes yeux voient la mort. Mais ton esprit ne doit pas voir la mort. Bien-aimé, ne te limite pas avec des yeux spirituels, avec des yeux physiques. Les yeux physiques peuvent voir autre chose, mais ton esprit qui est connecté à Dieu, ton esprit qui est connecté à la révélation de Dieu, doit rester en éveil. Là où les hommes disent c'est fini, dans mon esprit je vois que ce n'est pas encore fini. Ça vient à peine de commencer. Et Jésus va débarquer 4 jours après qu'il soit déjà enterré. Jésus arrive à la maison. Mais il pouvait directement passer au sépulcre. Au cimetière, il vient à la maison. Mais il savait qu'on devait garder le corps à la maison. Il y avait une promesse qui devait le motiver à garder le corps à la maison. Mais quand il arrive, on le reçoit avec des plaies. Si tu eusses été là, il pose la question, il est à quand Jésus pose la question, il est où? Ce n'était pas encore au cimetière. Parce qu'il était sûr, il avait déjà lâché une parole. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, il faut s'appuyer sur cette parole. Ce que Dieu a dit reste la vérité et demeurera la vérité. Ta vie peut être troublée à un certain moment. Les circonstances peuvent être contraires à un certain moment. Mais bien aimé, ne t'appuie pas sur l'environnement. Ne t'appuie pas sur ce que tu vis, sur ce que tu vois, sur ce que tu attends. Tu dois t'appuyer sur ce qu'il a dit pour toi. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de ramener à la vie celui qu'on a déjà enterré. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, n'enterre pas encore ton Lazare. Je suis venu dire à quelqu'un qui a déjà son Lazare, qui a le cadavre de son Lazare. Même si tu as le cadavre de Lazare, je suis venu te dire ce matin, n'enterre pas encore Lazare. Parce qu'il y a une parole qui est en train de planer sur Lazare. Ne précipite pas Lazare au cimetière, parce que sa place n'est pas au cimetière, mais sa place est de revenir à la maison, marchant sur ses 10 pieds, allant au travail, vivant en famille. Il faut que je parle à quelqu'un. N'enterre pas ton Lazare. Même si on te dit c'est fini, non, garde encore la parole. Même si on te dit que c'est fini, on ne va plus engager. Non, n'enterre pas encore Lazare. Bien aimé, un échec que tu as connu, que cet échec ne t'amène pas à donner le dos à Dieu. Saisis ton échec à la main. Tu as échoué quelque part. Que cela ne te démotive pas. Que cela ne te décourage pas. Mais malgré qu'il y a eu le premier échec, garde-le à la main. Bien aimé, la réussite, c'est parfois une succession d'échecs. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a compris? Réussir dans la vie, c'est en soi une succession d'échecs.
tous ces hommes qui ont réussi aujourd'hui n'ont pas commencé par réussir. Ils ont commencé par échouer. Mais dans l'échec, il y a un élément qu'il ne faut jamais perdre. C'est la motivation de continuer. Je suis venu dire à quelqu'un, Lazare est mort. Tiens Lazare à la main et marche avec lui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas si c'est le mariage que tu as perdu, si c'est l'argent que tu as perdu, si c'est le travail que tu as perdu, si c'est la santé, si c'est ton cerveau. Bien aimé, n'accepte pas de mourir. Mais avec cet échec-là, continue à marcher parce qu'il y a une parole qui est sur toi. Le Seigneur m'envoie te dire, n'enterre pas Lazare parce qu'il a dit, sa place n'est pas la mort. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que ce qui t'arrive, ce qui arrive dans ta vie, ce qui arrive dans cette église, ce n'est pas pour te finir. Mais le Seigneur est dit, par cette situation, il va faire éclater sa gloire. Je parle comme un prophète de Dieu. Ce qui est en train d'arriver dans ta vie, ce qui arrive dans cette église, mais ce n'est pas pour finir cette église, mais Dieu veut éclater sa gloire. Et Dieu éclate sa gloire. C'est quand il y a des situations où les hommes ont vu, ils ont vu un échec. Ceux qui ont vu ton échec, ils verront aussi ta réussite. Ceux qui ont vu Lazare mourir, ils verront aussi la résurrection de Lazare. Ceux qui ont vu merveilleux perdre la tête, ils verront aussi être recensés à nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui ont vu ton malheur, cela a permis qu'ils voient ton malheur. Parce qu'ils seront les éléments, les agents d'évangélisation de ce que Dieu aura fait avec toi. Alors ne dis pas que c'est fini. Je suis venu motiver la foi de quelqu'un. Ne dis pas que c'est fini. Le Seigneur a encore des choses à faire avec toi. Baisse ta tête à la prière, nous allons prier. Oh bien-aimé, cette fois qui est en train de réchauffer ton cœur. Je veux que tu pries maintenant. Là où tu as pensé que c'est fini. Non, les choses ne font que commencer. Bien aimé, même là où on t'a déjà enterré, ils ne savaient pas que les choses venaient à peine de commencer. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens ont pensé que le film est arrivé à la fin, mais ceux qui ne savent pas qu'en réalité le film vient maintenant de commencer, parce que l'acteur principal il prend maintenant son rôle. J'aimerais dire à quelqu'un que l'acteur principal de ta vie, Jésus-Christ de Nazareth, il prend maintenant son rôle et il va démontrer à la face du monde qu'il est le seul appeler les morts qui sont dans le séjour des morts à revenir à la vie. Allez, commence à prier pour ton problème. Commence à prier devant Dieu pour lui dire que tu crois que ce n'est pas encore fini. Et ce que peut dire à Dieu, que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je crois en toi et dans ma vie, ce n'est pas encore fini. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Alléluia. Donne-la. Donne-la. Ta façon de prier est en train de m'étonner. Est-ce que tu peux me dire, tu peux m'aider, je n'ai plus de voix. Est-ce que tu peux élever ta voix plus que la mienne? C'est la foi. C'est l'excitation de la foi qui pousse quelqu'un à prier fort. C'est la compréhension de la révélation qui amène quelqu'un à prier sérieusement. Na boni mona yo na mama sira yo yawe kangolanga na boni mona yo na mama sira yo yawe kangolanga Olo kisa ki Daniele
Saki Daniele Nali Kulu ya Bakozi Mama Kita Lelo Yo Yawe Lo Kisanga Bosu Su Tese Yo Na Bomo Iyaga Kaka Se Yo Bosu Su Tese Yo Na Bomo Iyaga Kaka Se Yo Sali na Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Sur ce Lazare que tu avais déjà enterré. Ton Lazare qui était enterré doit ressusciter aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas décidé que tu l'enterres. Et aujourd'hui, ce Seigneur est ici pour la résurrection. Et ce que tu as pensé que tu ne peux plus revivre. Mais ce que tu as pensé que c'est fini. Le Seigneur est ici pour la résurrection de ce que tu avais déjà enterré. De ce que les hommes ont enterré. Allez, commence à prier au nom de Jésus. Commence à déclarer que ton Lazare sort du tombeau, qu'il soit ressuscité. Commence à prier. Lazare doit ressusciter. Lazare, c'est quoi? Lazare doit ressusciter. Lazare, c'est quoi? Yes. Bien aimé, prie pour que ton Lazare sorte du tombeau. Qui a enterré ton Lazare? Nani. Ce problème, c'est pour révéler la gloire de Dieu. J'ordonne au nom de Jésus à tous les Lazares qui étaient déjà enterrés. J'ordonne les résurrections au nom de Jésus. 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 Priez, 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 priez. Tu dois sortir de ton tombeau. Thank you.
Jésus. J'ai déclaré au nom de Jésus. J'ai tout Lazare qui était enterré. Lazare ne se puisse quitter le tombeau et revenir à la vie ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a enterré, je viens déclarer que tu reviens à la vie. Ce que l'ennemi a enterré, ce que l'ennemi a mis dans les tombeaux, ça revient à la vie. Sordonne à ton Lazare de sortir du tombeau, de sortir du tombeau, de sortir du tombeau, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sors Lazare. Lazare est en train de sortir du tombeau. Ton Lazare est en train de sortir. Lazare est en train de sortir. Je le délie. Je le délie. Et je le laisse marcher avec toi. Reçois ce que tu as perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus, nous donne la vie.